Tu peux pas m'agrandir le... Bon, alors, petit live, mère et fille, on va attendre un petit peu. Je vais faire un truc vite fait. Deux petites minutes. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors ce soir, petit maquillage, mère-fille, je vous présente ma fille, Lina. Bonjour. C'est une première pour elle. C'est une première pour moi sur Ben Facebook, non, hein. j'avais Ah fait oui, avec on avait fait, si, ben oui. Ah oui, Ben oui, la ben oui. présentation du kit. Donc voilà, Lina, lui, elle a 16 ans, donc. Donc le temps qu'elle se renseigne pour voir comment, pour les 16 ans, comment ça se passe, je suis en micro-entreprise, donc elle va prendre son temps. En attendant, eh ben, elle va apprendre, se mettre, voilà, se mettre en condition. Donc, moi, ce matin, quand j'ai été chercher mon kit, j'ai testé mon fameux, le satin mat, le fameux carmine. Je sais pas si. Ouais. Problème Ouais. pour me Ah, j'ai montrer, vraiment un problème, mais moi, pour me non, montrer. Vas-y. mais tu Vas-y. fais comme ça. Ah non, mais même moi j'y arrive pas. Ah, bah, tu Toi, vois. tu fais Voilà. comme les Non, ouais, c'est youtubeuses comme là. avec la Ah, main. comme Ouais. ça, c'est bon, je pense qu'on Donc m'a vu là. voilà. Et puis, bien sûr, comme je l'attends depuis un moment, direct, je l'ai testé. Alors voilà. Ce qui reste, j'ai mangé, je me suis brossé les dents. Voilà, je voulais garder, comme ça vous voyez sa tenue. Je fume, donc hop. Il tient très bien. Je peux vous dire, hein, j'ai un témoin. Mes rouges à lèvres, ils tiennent combien de temps? Ah, ils tiennent vraiment pas parce que tu les manges. Je mange mes rouges à lèvres. Quand j'ai un rendez-vous, j'ai toujours mon rouge à lèvres. Et c'est au moment de rentrer que je mets mon rouge à lèvres vite fait. Coucou! Coucou Aurélie! Super! Merci pour les partages. Donc voilà. Et puis, ben, je vais en profiter pour. Alors, Lina, elle a déjà mis sa lotion, elle est toute prête. Mais moi, je voulais, voilà, démaquiller et tester la micellaire. Alors, moi, je suis très micellaire. Donc, on va tester déjà celle-là. Ah Et oui, après, je je vois prendrai. comment tu montres. Hein? Ah rien, rien. Je me moquais de toi. T'as fini de critiquer, ouais. Mouiller mes cotons. Et je vais passer un coup. Fait sur ma peau. Donc moi aujourd'hui ça a été crème de jour, un petit coup de fard et puis le fameux. Ah puis je faisais très maquillée. Hein. Je sais pas, voilà, j'ai. Je le fais à la fin parce que voilà, il est rouge. Je vais me regarder dans ma petite glace. Super. J'aime bien l'odeur. J'ai touché quand même mes lèvres. Ah. Premier passage. Comment Super. montes Ah ça, je vais te dire, j'en fais des mimiques, mais t'inquiète, t'en feras toi aussi quand tu te regarderas. Après, tu verras. Hein. On en fait plein quand on se maquille. surtout quand on On se a met l'air la peau. ridicule des fois. Voilà. Super. Mais c'est génial.
Tout est dans le coton. Hein? Il est pas mal. Mais t'as pas fini de te démaquiller, t'en as encore là. Hein? Ah bon? Bah ça. Attends. Tu bigles? Bah oui, un peu, ouais. Ça vieillisse. Voilà. J'invite ma fille à faire un live avec moi. Comme ça, ça va lui apprendre. Contente de vous voir en direct. Ah, oh, Rose Chanel, coucou. Le râle. Coucou Mélanie. Alors attends. Bonjour. Ah ouais, t'as vu Aurélie? Et super, super. Mais alors moi, de toute manière, celui-là depuis le début, quand je voyais les égéries Onika avec, je bavais dessus. Donc c'est clair qu'il me fallait. Il est génial, super. Alors le satin carmine. Le 44. Oui, mais je sais pas si elle était là, Aurélie. Ah, elle a quoi comme parfum, l'eau? Pardon? Oui, l'eau micellaire. Ah ouais, écoute, c'est frais, citronné un peu. Je peux sentir. Ouais, vas-y, parce que moi, alors moi, l'odorat, je suis pas douée. Plus ça n'est que moi. Mais elle non, n'importe quoi. Si, moi, je trouve qu'il y a un petit goût. Non? C'est moi. Je pas. Mais ça sent bon. Voilà, moi je côté odorat, c'est ça, j'ai un problème d'odorat, mais elle est très fraîche, c'est très frais. Je vais enlever. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi ça s'ouvre comme ça. Allez, bah c'est parti. La base. Hein. Donc on part sur deux maquillages en fait différents. Maquillage d'une femme mûre et puis le maquillage d'une jeune fille de 16 ans, pour le soir. Et deux styles totalement différents parce que je regarde un peu justement les lives de mes partenaires et puis on a de tous les âges. Hein. Moi, je me retrouve vraiment avec quand je vois les maquillages des femmes de ma génération, je m'y retrouve. Mais quand je vois certaines méthodes chez les jeunes et tout, je découvre beaucoup de choses, beaucoup de façons d'étaler les fards, de les mélanger. Elles ont beaucoup d'imagination. Et voilà. Il y a sûrement deux styles aussi de se maquiller différents. On va expliquer au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer par la base. La base de teint. Tu vois pourquoi j'ai envie de rigoler? Elle est un peu timide, mais elle va se lâcher. Depuis tout à l'heure, je rigole. Tiens. De mon coin. Ah oui, tu rigoles pas toi sur la base. Ah bon? Pour vous en mettre trop? Je mettrais moins? Non. Mets une petite pointe et puis j'étale. Et après, voilà. Ouais. Je mets un point. Il faut en mettre quand même. Elle est super, ça l'a bien enlevé et tout. Je le rouge. Elle t'a vu comment elle est. Ouais, non. Elle, moi c'est adopté. Moi, c'est vraiment la base Onika. Il n'y a pas de souci. Elle est géniale. J'en mets un petit peu. Voilà. Le coup, faut surtout pas l'oublier. On va bien. Comment ça, tu te maquilles pas le cou? Faut se maquiller le cou. Bah oui. Refaire. Bah parce que sinon tu vas faire une démarcation. Mais tu descends légèrement. En fait, ta base, tu l'as fait juste la voilà, descente. Je t'ai pas dit de mettre. Ah oui, maquillage mère-fille, hein, forcément. Des fois, voilà. Voilà. Mais je pense que c'est moi qui ai raison. Tu penses que c'est toi qui as raison? Qui c'est qui a raison? On fait la continuité au coup ou pas? Dites-lui les filles. Ouais, dites-nous les filles. Attends, moi j'ai besoin d'essuyer. Ah ouais. Alors vas-y, continue toi. Je t'ai mis ta petite serviette. Merci. Maman. Je sais pas comment j'aurais fait sans la petite serviette. Heureusement que je suis là, hein. Oui. Toujours, hein. Et c'est tout le temps comme ça entre nous. On se rate pas. Hein. On se rate pas. Pourquoi tu l'as dit deux fois? Que les gens ne soient pas
Non, non, c'est cool, c'est comme ça que ça se passe entre nous. Que les gens ne soient pas étonnés. Étonnés. De se dire, oh là là, comment elle est insolente avec sa mère. Non, non, on rigole, c'est tout. Je suis pas du tout insolente. Pas du tout. Mais est-ce qu'on voit toute la conversation? Il faut descendre. Ouais, faut descendre. On parle, on n'a rien vu. Moi, j'aime bien me remettre un petit peu de base. Non, j'étais pas là au début. Ouais, voilà. Agrume, je sais pas. Oui. J'aurais plus une odeur de coton, tu vois. Genre, ah bon? Non. Genre, ça sent bon. Enfin, c'est doux, je trouve. Deux sels, deux ambiances. Moi aussi, il y a un petit fond. Il faut faire la continuité dans le coup pour éviter toute démarcation. Merci, Aurélie. Donc, je disais, oui, je mets un petit peu, moi, je descends un petit peu la base teint des yeux pour l'ombre. Voilà, la base de teint, c'est fait. Alors, oui, ce que je voulais vous montrer avant, les packs de Onika, parce que bon, je les ai reçus, j'ai reçu les packs des filles. Puisqu'on est là avant de commencer tout ça. Hein, t'as vu? Elle est trop belle. Alors ça, c'est le pack. Ça, c'est les collections. Hein. C'est collection Onika. Donc, c'est des packs. Et alors là, c'est les mascaras. Le pack des mascaras. Ils sont magnifiques. Vraiment. Et la boîte? Et la boîte, elle est top. Une petite boîte. Il y a ça, t'as pas montré ce qu'il y avait dedans. Oui, c'est l'explication, une petite carte, l'explication de ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Aurélie, c'est le pack de. Ah, Angelica. Non, d'Angélique, pardon. Angelica. Et là. Ah, la boîte en bois, elle est grande. Là, on a le pack, donc, correcteur. La même taille de boîte. J'en ai commandé, moi. Non, tu les as pas pris. Si, j'ai pris un correcteur. T'as pris un. Je vais avoir le pack. Oh, zut. J'arrive pas à enlever la petite carte. Bah, ah, voilà. Coucou, ici. Merlise. Coucou, Merlise. Où est-ce que tu vois? Tu peux faire défiler, s'il te plaît? Donc, les correcteurs et voilà comment c'est disposé à l'intérieur. Je fais n'importe quoi. Donc là c'est les correcteurs. Je peux pas les sortir, c'est pas à moi, ça appartient aux filles de mon équipe. Elles les ont gagnées donc pour le concours. J'ai pas vu les correcteurs moi. Mais je n'ouvre pas la boîte. Mais t'as mais. Oui. Bon. Je vais savoir. De quoi qui sont magnifiques? Hein? Les packs. Les boîtes. Ah. J'adore, elles sont trop belles. Moi, ouais, je trouve aussi. C'est intéressant, elles sont très jolies. Ça, c'est à Nathalie. Et oui, alors ça, oui. Donc, bon, ça, c'est une cliente. Peppa. Je ne peux pas vous dire. Et l'aloe vera, ça, c'est. Le spray à l'aloe vera. Donc, ça, donc sinon, moi, ce que j'ai pris, qu'on va pouvoir tester, en fait, c'est surtout ça. Voilà. Donc, le blusher terracotta. J'adore cette couleur. Oh, mais oui, c'est trop beau. Couleur d'été au top. Super. J'ai hâte de la tester. J'ai pris... alors... Ça, c'est ce qui va être sympa. En fait, elle se rapproche en teinte. Celle-ci, elle est légèrement rosée et celle-ci, légèrement, je dirais, pêche. Regarde. Ouais. Aurélie alors, dit qu'elle en a commandé deux. Ils sentent comment? Est-ce qu'ils sont bons? C'est que j'ai du mal. Ouais. Elle en a commandé deux ce week-end, elle dit. Ah oui, les brumes. Je voulais savoir le deux, moi. Et bien, justement, elle prêche, parce que c'est celui-là, on voulait une idée. Ben, c'est ça. Mais du coup, elle a dit qu'elle prenait celui-là pour le tester, pour nous donner une idée de son parfum. Je vais remettre ça derrière, on est encombré, là. Ben, oui. Voilà. Hop. Et allez, la teinte. T'aurais dû commencer, toi, en fait. Ben... Faut obligé de m'attendre.
Je vais commencer par le correcteur. Tu commences dans quel sens, toi? Vas-y. Non. Faut avoir Moi, une bah, je éponge. veux faire. Faut avoir une éponge. Toi, c'est l'éponge? Mais pas pour le fond de teint, mais pour le correcteur, oui. Bah, tu peux humidifier avec ça. Humidifier? Oui. Ton éponge. Ah, Pourquoi? il faut humidifier l'éponge. Pourquoi? Parce que l'éponge, si tu ne l'humidifies pas, elle va absorber le fond de teint. J'ai jamais fait comme ça. Et du coup, bah, tu gaspilles. Ah, bah, tu vois, hein? Elle va apprendre. Faudrait que tu regardes un peu plus les lives des filles. Tu sois un peu plus là. Oui. Dites-lui, les filles. Bon, moi je mets 3 petites gouttes, mais alors vraiment toutes petites. Hein. Hop, je te laisse là, je ne le referme pas. Et puis, ben, j'en mets, je tapote d'abord, j'en mets un peu partout. Hop, hop, hop. Okay, ben, je vais modifier la planche. Par contre, maman, il faut que tu lises les commentaires, hein, parce que moi là, j'ai ouais. pas mes lunettes. Hein. Ouais. Et je me rends compte que, ouais. Je bon. J'étale mon fond de teint, je reviens vers vous. Et tu te rends compte que tu vois plus, c'est ça? Ouais. Il est un peu loin du coup, mon écran. Mais c'est pas grave. J'arrive, je vais regarder ça. Voilà, 3 petites gouttes, parfait. Regardez, vous voyez bien, c'est bien éclairé. Vous pouvez me dire dans le chat, j'en profite pour lire. Eh, mais j'en ai appris de. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec vous, les filles. Toi et. Coucou Fabienne! Toi et Angélique, ah ouais, à suivre vos lives, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà les appellations, tu vois. Il y a pas mal de choses voilà, que vous renommez différemment et que bah, je découvre. Hein. Super, merci ma belle. Il faut voir comment on s'est réinstallé. À chaque fois, je change d'endroit pour voir d'éclairage. Donc voilà, à toi. J'ai l'impression d'être une taupe. Une taupe. Pourquoi? Je vois absolument rien. Tu vois rien? Oui, je vois rien. Tu vois pas l'écran, mais tu vois là. Oui, elle est myope, ma fille. Donc là, elle a pas ses lunettes. Oula, mais t'as tout devant toi. Qu'est-ce ouais. Ah ouais, là, t'en as mis beaucoup. Pourquoi tu mets pas direct dans le. Oh, mais oh. Alors. Je fais ce que je veux. J'en mets. Principalement, en fait. Là. Et un petit peu, voilà, voilà, par là, j'ai essayé cette méthode et je trouve que c'est mieux, ça donne un meilleur, ça sert à rien de mettre tout le, enfin, vous allez voir, moi je trouve que ça donne l'éclairage que je veux exactement et ça agrandit. Le regard de l'étaler de cette manière-là. Il est où? Ah ben il est juste sous mon nez. Ah là, c'est grave. Et là, par contre, je me sers de ce pinceau-là. Je tapote. T'aimes pas beaucoup. Je vais pas sur toute la paupière. Coucou. Cri-cri. Oh, coucou, Christelle. Bonjour, bravo pour votre bassesse sur YouTube pour donner une belle image de la société.
Attention, toi. Qui c'est? Où est-ce que tu vois ça, toi? Là. Toujours bravo pour votre bassesse. Ah, Bonjour. bonjour. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bravo pour votre. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai voulu liker. Laisse-le. Tu vois, pourquoi Faut tu pas likes? liker. Je voulais liker le commentaire. Je Voilà. laisse-le. Non, non, non. Vous trouvez que c'est bas? Donc il est normal que cette personne s'amuse à envoyer des gens s'en prendre aux gens sur le net, les insulter, les humilier, les traiter les sociétés, s'en prendre aux autres VDI. Et là, pour elle, il n'y a aucune bassesse. Hein, Alexandre? Là, il n'y a pas de bassesse. Là, c'est cool. Ben, moi, j'ai envie de dire, cette fille, ça l'amusait de s'éclater comme ça, à emmerder tout le monde sur le net. Hein? J'ai rien fait, moi. C'est elle qui a fait un live bizarre. Hein? J'ai fait que détailler et montrer à quel moment elle a été. Elle a fait des erreurs. À quel moment elle n'aurait pas dû. Dépasser ses limites. C'est tout. Puis si vous n'êtes pas content, j'ai envie de dire, ben barrez-vous. Personne ne vous retient. Donc, alors, j'en suis où moi du coup avec ces histoires? Vous voyez, ça crée une lumière à l'intérieur. Alors oui, j'ai pas encore la poudre libre et moi j'aime bien. Rajouter un petit coup parce que j'ai une peau grasse. J'en ai pas partout par contre. J'en ai que certains endroits et en même temps je poudre bien autour de des trucs comme Aurélie ça, je peux. Boira, elle dit bonsoir. Ah Aurélie, coucou Aurélie. Exactement Aurélie Kenzo. Elle est irrespectueuse. Bah ce monsieur, puisqu'il a lu. Il a vu ma vidéo sur YouTube, il a dû lire les commentaires qui étaient en dessous, les commentaires des personnes qui se sont fait agresser justement par cette fille. Bien, lisez, monsieur, les commentaires. Vous allez voir cette fille, ce qu'elle a fait. Cette vidéo est justement aussi là pour les personnes qui se sont fait attaquer sur le net par cette fille. Et moi, je vous dis, je me suis fait aussi attaquer par le net, sur le net, par cette fille, en MP. Bon, moi, ça me passe par-dessus la tête. Mais je vous garantis qu'il y a pas mal de filles qu'elle a blessées durement, des filles qui ont dû arrêter parce que, bah, elles en voulaient plus du VDI parce que pour elles c'était ça. Mais non, je suis désolée, on travaille très bien entre nous. C'est pas tout le temps comme ça. C'est cette personne a mis la pagaille dans plusieurs sociétés. Attention, parce que, bah, du coup, il y a plusieurs personnes de plusieurs sociétés qui se plaignent d'elle et de ses amis. Donc oui, alors, j'en mets bien sous l'œil pour protéger, hein, parce que bon, ben, quand on met les fards, ça coule. Et puis un tout petit peu à l'endroit donc que j'ai rehaussé. Voilà. Je mets celle-là, il est où le gros? Non. Allez, tu vas mettre quoi toi comme phare? Moi j'ai envie de mettre trois phares. Les filles, je voudrais votre avis. J'ai envie d'essayer le vert. Et je me suis habillée en noir en fonction et tout, hein. Attendez, je Le l'ouvre. vert. Ouais, celui-là. Ah, Celui-là. je vois plus personne. Avec, je les ai préparés à l'avance pour vous montrer. Je voudrais mettre trois phares. Ah zut, j'ai oublié que c'était celui-là qui était cassé. Là, j'en ai mis un peu partout. Mon téléphone. Ok, c'est pas grave.
Laisse-moi. J'ai rien dit. Arrête, bah, ça y est, je l'ai regardé, je me fais engueuler. Non, arrête. Alors, celui-là, oui. Alors, le verre au milieu, bien sûr. Avec ce... C'est un... Moi, je fais ça. T'appellerais ça comment? Taupe. Hein? Taupe. Aucune idée. Marron. Si, ça peut être taupe. Taupe foncé. Hein? Marron. Non, il brille légèrement. Il tend légèrement sur le verre aussi. Je sais pas comment je l'appellerais. Enfin bref, le numéro, le 0, le E07. Comment vous appelleriez cette couleur? Vous voyez, t'arrives à voir Aurélie? C'est quoi là? Donc, elle a agressé personne, d'accord? Elle a le droit d'être énervée. Le live est supprimé, donc hop. Foutre le feu, vous faites quoi de plus? C'est du harcèlement moral. Ce que vous faites, se servir du live comme ça, c'est puni par la loi. Pardon? Elle a demandé de partager. Mettez le live au tout début, vous verrez qu'elle a demandé de partager. Moi, j'ai partagé. Sûr. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, je l'avais... Eh, c'est toi qui m'as piqué, j'avais mis un... Voilà. Mettre avec celui-là. Ben, on mettra ensemble. J'ai envie de dire... Et moi, là, je suis en train de travailler, en fait. Et si vous avez envie de débattre de tout ça, vous allez sous la vidéo et puis vous débattez. D'accord? Ok? Ça ne me dérange pas. Je veux bien en débattre. Aurélie, elle a dit... Et puis celui-là. Pour éclaircir. C'est le, les filles, c'est le E12, le, oh pardon, le E21. Oh là là, allez pleurer sous le live qui la concerne. Vous savez quoi, les filles, laissez. Alors, on y va. Et toi, tu prends quoi? Tu m'as pas dit? Bah, moi, je vais utiliser... La... Ouais, la palette. Le taupe et la palette est dessus. Ah, tu vas mettre combien de couleurs? Ben, tu verras. Bon, ben moi je mets trois fards et puis elle, on je verra. Sais pas, je perds l'impression. Ah là là. C'est exactement sa méthode. En même temps, vous prouvez exactement ce que j'ai dit dans mon live la concernant. Hein. Je veux pas dire, mais allez-y les filles, c'est parfait, vous confirmez mon live, j'adore, j'adore. Ah oui, alors je voulais dire pour les phares, il y en a les phares irisés, ils sont légèrement poudreux, moi j'aime bien humidifier mon pinceau, donc là ça va. Et alors pour l'appliquer, moi ce que je fais, j'étire légèrement ma paupière et en fait, non, je trace un premier comme si, voilà, hop, et puis, hop, et j'étale. Alors, je vais jusqu'en haut, moi, dans le travail de mes fards. Tu me diras, Aurélie, à la fin, mon maquillage, quel nom tu lui donnais, comment tu l'appellerais? Parce que moi, ce que j'adore, c'est les appellations aussi que vous donnez à tous ces... Avant, c'était très simple, quoi. Maquillage soir, trois phares, quatre phares. Toutes ces appellations nouvelles, c'est j'aime bien. Là, oui, il faut tapoter un peu, hein. J'essaye de lire le... je lis même pas, j'irai voir ça après. Oula, je vais pas me prendre la tête. C'était clair qu'il viendrait sur mon mur, là. Elle l'a bien dit de manière en début de live. Les mauvaises langues, tous les gnien. Et puis sa méthode, on la connaît, elle était dans notre équipe au départ.
Hop, je redresse un peu la tête. Hein. Parce que du coup, je vais les retravailler encore un petit peu, mais voilà déjà ce que ça donne. Je vais jusqu'en haut avec mon foncé. Alors, j'étire un peu ma paupière et puis après, je travaille en fait sans toucher. Hein, parce que voilà, j'ai une paupière tombante. C'est quand même mieux de se maquiller les yeux sans les tirer, sinon on va pas voir. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. Merci Merlis. Merci Aurélie. Oui, j'y tiens parce que je confonds, j'arrive pas et puis j'aimerais bien moi apprendre. Ben oui, forcément, c'est contact. Ah ben ça, je m'en doutais, je l'ai reprise dans son live, je l'ai corrigée, je lui ai montré toutes ses erreurs. C'est pas moi qui les ai faites, ces erreurs, c'est elle qui les a faites, elle les assume, c'est tout. Elle a demandé qu'on partage. Ben on a partagé, je vois pas où est le problème, moi. Moi, j'adore ces gens-là. Ils étaient où quand elle a... Vous étiez où quand elle agressait les autres en ligne? Allez, allez répondre aux personnes qui ont laissé des commentaires sous la vidéo. Allez leur répondre. Allez leur dire, non, non, elle est gentille, vous la connaissez pas. Allez-y, débattez directement. Je vous défie de le faire même. Débattez directement en commentaire dans ma chaîne YouTube. Mais ici, là, ça prouve juste votre lâcheté. C'est tout. Et puis, merci pour l'algorithme. Laissez-les, hein. Papotez avec eux même. Ça active mon algorithme. Alors le vert il est poudreux. Donc je vais humidifier mon pinceau légèrement. Moi je pose une petite éponge à côté de moi hein, que je mets dans un petit bol. Elle a été déjà humidifiée. J'ai plus qu'à tapoter mon pinceau. Puis je sèche quand même un petit coup. Voilà, et alors le vert, je vais le mettre au milieu. Donc je vais baisser un peu la tête. Non, je vais mettre comme ça. Vous commencez par le milieu, d'abord. Et est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. Oh ouais, j'aime bien ce que ça donne. Ah, j'aime bien ce que ça donne, regardez. Hein? Vous voyez bien? Ah, j'aime beaucoup. Ah, mais ce petit verre. Il est arrivé quand j'ai vu qu'il était cassé, je fais non, c'est mon petit coup de cœur, il s'est cassé. Pardon? Ah, ah bah oui, d'accord. Merci. Donc je tapote un peu, hein. Hop, et l'autre œil. Je sais pas si vous voyez comment. Voilà. Je vais d'abord, je dépose en fait ma matière au milieu et après, ben j'estompe. Faut peut-être que je fasse les deux mêmes. Hein. Alors, excusez-moi. Ouais. Regardez. J'aime beaucoup. Regarde, Nina. Toi, tu travailles avec tes doigts? Tes phares? Hein? Oui. Ah ouais. Mes doigts et mes pinceaux.
Ah, tu. D'accord, parce que pour moi, tu le faisais pas, c'est nouveau. Oui. Tu n'avais jamais vu faire ça. Testons avec tes doigts. Ouais. D'accord. Non, j'arrive pas, moi, ça. Mais bon. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles aussi qui travaillaient fort avec les doigts. Regarde comment tu trouves. Tu veux pas me donner ton avis. Ok. Non, Pas me dis-moi. donner son avis. Eh ben non, c'est trop tard. J'aime bien. J'aime beaucoup. Super beau, J'aime tiens, beaucoup. ça me rappelle quelque chose, ce miroir. Ah, je viens de comprendre. Je sais pas si tu as compris. Alors attends, je Magnifique en remonte. vert, c'est trop beau. Je viens de m'en noter, tiens, ouais. Ah, on est comme deux bigleuses, alors entre la myope et la vieille. Merci Aurélie. Oui. Oui, Christine. Oui, cri-cri. Exactement. Oh, ben, j'ai mis, regarde, je les ai gardés, moi. J'ai mis une étiquette. Alors. J'aime bien ce pinceau large comme ça là pour travailler les fards principalement à l'intérieur. Donc je vais le rincer. Voilà. Et puis de manière j'ai besoin de le. Non, c'est celui-là. Parce qu'il est irisé aussi celui-là un petit peu. Et que c'est bien mieux avec le pinceau, ça bah ça fait bien ressortir les pigments du fard, quoi. Ah ouais, il est poudreux aussi. Ouais, les fards irisés sont poudreux. Mais voilà, dans ce cas, il faut un fard poudreux, faut le travailler avec un pinceau humidifié, c'est bien mieux. Et là, en fait, comment je vais faire? Voilà. Vous posez, hop, pour créer d'abord, hop, mettre bien une bonne. Et de l'intérieur. On va donc vers l'extérieur et Ouais, bah super. on estompe, Et comment je fais, moi? on mélange et donc on crée le dégradé. Pourquoi c'est celui-là que tu veux comme par hasard? C'est ça? C'est ça. Voilà. T'as vu juste. T'as pas d'highlighter? Je mets carrément la glace devant la caméra, j'ai pas fait attention, pardon. Regardez. Puis-je Donc disposer c'est ce pinceau? celui-là où j'ai mis, hein, de manière à ce que ça se voit. Regardez l'effet lumière, l'effet étiré que ça donne. Et encore, bon, c'est pas fini, hein, je vais encore arranger. Regarde. Non, j'ai besoin du pinceau. Tu veux me piquer J'essaye mon de te pinceau? voler. Ah, il n'y en a pas d'autres de plat de grand comme ça. Non, Ok, j'ai c'est ça dû le laver. que je veux voler ton pinceau. Ah, bah je fais vite, j'ai bientôt fini. Et je recommence donc avec l'autre, je vais me mettre en face. Juste pour créer, je tire juste pour poser. Parce que voilà, on pose bien la matière. Hop, et après, là, et ben on estompe. Elle Excusez-moi, a je vais. dit le Ouais. maquillage en dégradé qui monte haut comme ça, j'appelle ça le eyeshadow. C'est ça que tu appelles le répète, attends, comment tu l'as Eyeshadow. dit? Eyeshadow, c'est ça? C'est bien, d'accord. Bien nous, quand, enfin moi, quand j'avais fait mon école d'esthétique et tout ça, hein, c'était en C'est pas bien 95, dégradé? 96. Bon, on appelait ça un dégradé, un dégradé de couleur. Après, on dit dégradé en trois phares, dégradé en quatre phares. Mais c'est voilà. Il n'y avait pas Bah, d'appellation que je trouve ça sympa. eyeshadow, ça peut se traduire par ombre et œil, tu sais, enfin, un œil ombré, un truc comme ça. C'est juste en anglais, en fait. Ah, d'accord. Ouais, mais bon, c'est sympa. Oui. Bon. Voilà. Tiens, oh, tiens. Oui, mais non, je veux pas que tu sois mouillée!
Mais oui, mais il faut le... Non! Mais si, mais si tu l'essuies après, non! D'accord, excuse-moi. Alors, ouais, je dois y aller, ma belle. Pas de soucis, Christelle. Pas de soucis, merci d'être passée. Alors, là maintenant, moi, ce que je fais, elle m'a piqué mon pinceau, mais c'est parce que là, c'est pas grave. J'ai celui, juste que tu voilà, celui de... Je t'ai piqué ton pinceau alors que t'en as même pas besoin. Hop. Là, je reprends un peu de ma poudre libre, en fait. Je vais là. Hop. Allez voir. Et puis j'en mets aussi. Et alors juste là. Pour pas que les fards. Parce que j'ai travaillé l'ombre en dessous. Et pour pas que ça vienne tacher. Cool. Et là, pour travailler les fards en dessous, moi j'aime bien ce pinceau. Il faut que je le retrouve. Il est là. T'as encore mon volume soit non, non. Celui-ci. Voyez. Et je vais reprendre donc le foncé là. Ouais. Ouais, taupe. Ah oui, c'est un taupe. Taupe foncé. Élisée. Merci, Mina. Ok, ok Aurélie, oui, bah oui, ok, d'accord. Ouais, ben je trouve que c'est joliment dit comme ça. Et là, je vais tirer un peu, j'ouvre grand mes yeux. La bouche aussi, je sais pas pourquoi, mais voilà, si je fais pas ça, j'y arrive pas. Hop, et je vais vraiment à la lisière, limite, hop, hop. Pas de marron. Non, c'est le taupe. C'est tout ce que j'ai. Non, je vais faire avec le même que tu es en train d'utiliser en fait. Mais t'as mis combien de fards du coup, toi? Un, deux, trois. Quatre. Cinq. Cinq fards. Bien. Voilà, pour les yeux. Et là, je prends mon gros pinceau. Voilà. Le gros, là. Je vais en dessous et je tire. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Coucou, mais Alice. Ça y est, j'ai les yeux qui pleurent, donc forcément le nez qui coule. Super. Voilà. On va attendre qu'il se... Ouh, you, c'est chez vous. Qu'est-ce que t'en penses, Merlise? Pourquoi tu cries? Papa m'a dit de parler un peu fort pour le micro parce que la caméra est loin. Ok. Vous m'entendez bien, hein? Lina, tu peux te rapprocher un peu après de la caméra qui voit un peu. C'est en procédure, là. C'est en procédure. Parle un peu plus. Explique un peu plus ce que tu fais. Tu es dans ton coin. Moi, je parle de la pipelette, moi. Il n'y a pas de souci. C'est une pipelette, hein? Faut juste qu'elle se lâche. Ça va venir. Je suis juste en train de retracer mes yeux pour qu'ils aient l'air plus confondus. Alors, je vais retracer un petit coup mes sourcils. Donc, je fais des points. En fait, juste je remplis certains endroits.
J'ai une cicatrice aussi là, à ce niveau-là, donc je couvre. Je les coiffe. Moi, j'aime bien avec celle-là. Ton rose pour Lina, oui, ton rose. Quoi? Elle a demandé si tu étais dans les tons roses. Bah oui, ça fait. Bah, Ouais, elle a c'est ça. utilisé la palette. Tu n'as pas expliqué au fur et à mesure. Donc elle a utilisé la palette. Bah en fait, pour le creux des yeux, j'ai utilisé celui-là et... Oula! J'arrive pas à comprendre avec ça. Et celui-là. Ah, un truc dans l'œil. Vas-y, Et je te laisse attends, faire. Enlève attends. le. Ah, ça me pique. Je retourne dans mes Et chaussures. du coup, pour l'extérieur, j'ai utilisé celle-là, en fait. Cette couleur-là. Il me semble que c'est tout. Bah non, du coup, j'ai utilisé quatre couleurs. Et là, je suis en train de retracer avec un marron. Bah, du coup, c'est pas terminé, mais voilà. Pas le marron, le taupe, tu veux dire. Oui, le taupe. Celui que j'ai utilisé, moi. Elle redonne, elle rehausse un petit peu avec. Ça faisait trop clair avec celui de la palette. Hein, t'as vu? Non, en fait, c'est pas le gris Merlis, c'est le taupe. C'est le numéro. Ben non, c'est pas celui-là. C'est celui qu'elle utilise, Lina. C'est le numéro E7. Il est taupe, légèrement doré, tu vois, irisé. Ce mot Ça brille. Et alors, le vert, il est génial, génial. Et ce qui est super. Oh, pardon, je te l'ai fermé. Ils sont vraiment très faciles à étaler, les fards de Onika. Ils sont vraiment très faciles à travailler. Hein? J'ai bien aimé aussi. Donc là, elle rehausse un petit peu. Elle vous montrera tout ça après. Oui. Donc, moi, voilà, mes sourcils. Je mets des petits points et puis voilà. Juste, je corrige quelques endroits dans mon sourcil. Et je vais passer au mascara. Non, avant le mascara, je vais mettre ma poudre. Celle-là, elle est là. Non, je vais mettre le mascara d'abord. Alors, celui-là. Alors, les mascaras, j'ai toujours que le même, mais bientôt je varie. Je voudrais vraiment tester. J'ai vu. Ah, je sais plus qui c'est que j'ai vu qui a testé le mascara waterproof, le bleu. Mais il est top. Il est génial, lui aussi. Il est génial, lui aussi. Je vais essayer de faire le crocro. Le Je vais croco. essayer, hein. Ben, en fait, moi aussi, j'arrive pas avec ton truc là, ton recourbe cils. Je trouve que c'est une torture. Et Mag nous a montré une méthode. Mais oui, mais c'est simple. Tu fermes ton œil pendant 4 clics. Ça relâche le cils. C'est ça, là? Ah non, elle ferme pas son œil. Elle fait quoi? Ben, je vais te montrer. Ok. Je vais lui montrer Crocodile. Donc je m'en fous de plein l'œil. On va voir qui c'est qui va être le crocodile à la fin. Ce Bon, sera c'est pas avec. grave, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour démaquiller en tous les cas. Hein, il est génial, hein, Aurélie. Je sais plus qui c'est que j'ai vu, le maître. Waouh, on a vu tout de suite la. Mais il est. Elle a dit qu'elle l'adoptait d'ailleurs. Que ce sera pas que pour l'été, quoi. Mais c'est vrai que ça lui a fait mais des cils, mais magnifiques. Et le Hux, il est pas mal. Le Hux, j'arrive pas à le prendre. Huge. Huge. D'accord.
D'accord, excuse-moi. Ouais, parce qu'en plus, elle est balèze en anglais, alors que moi, je suis archi nulle. Ah, j'essaie de montrer. Tu vas chanter toute la soirée. Alors, moi, je l'étale déjà une première fois. J'en mets 2 à 3 couches. Surtout quand c'est le maquillage du soir, ouais, j'aime bien le travailler. J'ai pas. En fait, j'ai les cils longs, mais j'ai les cils très fins. Et c'est souvent qu'on a l'impression que j'en ai pas. Et c'est qu'une fois que je mets du mascara, on me dit donc, t'as des cils? Ben ouais. Mais alors, je vous dis pas. Faut que je les bosse. Et. Ah, je suis super contente en tous les cas du réformiste. Pour tous les jours, il est génial celui-là. J'en remets pas forcément, hein, J'aime bien maman. mais je les travaille. Merci, t'as vu, elle dit qu'on est jolies. T'aimes bien ou pas? Bah, éloigne-toi pour que je regarde. Oui, alors j'ai l'impression que tu as foncé un peu plus celui-là que l'autre. C'est possible. L'éclairage n'est pas si top que ça finalement. Mais déjà, déjà là, on est bien, non? Oui, bah On pouvait j'ai. pas faire de live à cause de l'éclairage. C'est juste que j'ai du mal à Je voir vais me prendre le les même truc boulons. qu'Angélique, moi. Alors moi, je pense qu'à la fin du mois, je le prends parce que c'est génial. Génial. Son dernier live, vous Live. l'avez fait ensemble d'ailleurs, je crois. Ou elle l'a fait avec Ouais. sa lumière là. Oh, super. Ah bah non, j'ai pas fait le crocodile. Ah bah non, le crocodile. C'est Pardon. quoi, professeur? Eh bien, regarde le crocodile. Alors, Est-ce que là en c'est fait. mieux? T'as mis des temps. Donc, on prend le. Alors, comme je disais, oui, pour ceux qui n'aiment pas le recourbe cils, on peut le faire, on peut recourber ses cils en fait avec cette méthode, la méthode crocodile de Meg. Donc, on va à la lisière. Oh, d'accord, je vais y arriver. J'espère que je vais pas me foutre le truc dans le. Ouais, j'attends le Je vais me mascara en concentrer plus. là-dessus d'abord, hein. Hop, et un crocodile, deux crocodiles, Pourquoi tu chantes? trois crocodiles, trois, quatre crocodiles, tu me perturbes Lina, cinq crocodiles, Je me demandais six juste pourquoi tu chantais. crocodiles, sept crocodiles, huit crocodiles, neuf crocodiles, dix crocodiles. Comment être ridicule en live? Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Ah, je vais me rapprocher. J'ai des yeux de biche. Regardez l'autre, j'ai pas encore fait. Et celui-là, j'ai fait mon crocodile. Donc en fait, l'histoire des crocodiles, c'est simple, c'est parce qu'il faut compter jusqu'à 10, 10 secondes et ça donne en fait bah, les crocodiles. Hein? Regarde. Maman. Je fais l'autre maintenant. Allez, comptez dans le chat. Il m'a mis des crocodiles partout. Hop. Et c'est reparti. Yeah, je ne l'ai pas mis dans l'œil. Super. Allez, j'y vais. T'as vu, j'y suis arrivée. 4, 5 crocodiles, 6 crocodiles, 7 crocodiles, 8 crocodiles, 9 crocodiles, 10 crocodiles. Super. Je crois que Maxence il va regarder le live, il va se demander comment être très Super. Ça me fait pleurer un peu les yeux, moi.
Mais en fin de compte, j'y suis arrivée sans me mettre le. Ah, j'aime. Ouais. Super. Merci pour l'idée, Mike. Super. Un petit coup en bas. Aïe, les rageux sont partis. Oh, bah quel dommage. Ah ouais, non, non, vraiment. C'est super. Lana, j'aime bien parce que ouais, je suis un peu comme elle, moi aussi. Hyper. En fait, j'y arrive pas. J'ai l'impression que je vais me couper les cils avec ça. Que ça va rester là-dedans. Bon, en fait, c'est Que possible. là. Oui, je sais, j'ai essayé avec ton truc. Hein. J'ai essayé. Je suis maladroite aussi. Bonsoir Corinne. Coucou. Bonsoir au nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, ce sont les produits Onika. Petit maquillage du soir, mère et fille, avec les produits Onika. Donc deux styles différents. Hein, mais alors totalement. N'hésitez pas à poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va. J'ai cru Non, que j'avais j'ai fait une une autre bêtise. technique, hein. Ouais, vas-y, dis-nous. Apparemment, elle aurait une autre technique. Mike, permets-moi de te détrôner 2 secondes. D'accord, ouais, je suis sûre que si elle était là, tu dirais, ouais, pas de souci, donne-nous ta méthode. Nous, on est ouvertes à toutes les méthodes. Alors là, je vais m'en Il n'y a mettre pas sur de la joue. souci, dis-nous. Mais en Tu fait, sais, j'ai appris pas mal de on choses ici. applique une première fois, genre, normalement. Ouais. Puis après, bah, tu viens fermer ton œil et continuer à tirer vers le haut. La deuxième application. Toi, tu comptes des crocodiles, je fais juste ça. Ok, mais si tu montrais, ce serait mieux. Ah bah. Ah ouais. Donc Bah en voilà. fait, ce qu'elle fait, donc parce que bah il lui faut le temps de. Puis elle sera bien mieux après elle sur son téléphone. C'est moi qui suis plus habituée à mon ordi. Que elle, elle travaille toujours et pratiquement sur son téléphone. Donc ce qu'elle fait, c'est. Tu me. Ouais. Attends 2 secondes, je fais juste ici du bas là. Je vais vous montrer. Tu veux que je le refasse sur l'autre œil, c'est Ouais, ça? vas-y, si tu veux bien. Il faut que je le fasse avec la caméra. Si possible, ou bien on change de place, peut-être tu seras plus à l'aise en te mettant par là. Non, mais ah, je sais même pas quel truc il faut que je touche. Il faut Non le temps, mais hein. C'est la attends, c'est première fois impossible qu'elle là. se maquille comme ça Non mais là, en live. est-ce qu'on voit l'œil là? Ah oui. Là, on le voit là. Merci Aurélie. Oui, pour ceux qui voudraient. Comment je l'épingle? Pourquoi je veux pas? Est-ce que là, on voit mon œil? Eh oui, je suis Là, sur on voit. ordi. Il ne m'indique pas. Bah, c'est bizarre. Tu veux faire Je quoi? veux l'épingler. Il y a écrit épinglé en dessous. Où ça? J'aime à répondre épinglé. Ah, n'importe quoi. Bah ouais. Bah je savais pas. Normalement, ça se présentait dans les. Sur les. Bon. Bon, du coup, je montre. Là, on voit mon œil, maman. Oui. Donc, comme je En disais, fait, je elle fais. applique donc une application normale Où au je fais début. gaffe à bien tirer les cils pour étirer le regard, les cils de ce côté-là, en fait. Voilà. Et elle fait gaffe à bien étirer. Ensuite, j'applique les cils de l'intérieur, en fait. Voilà. Et Et la ensuite, deuxième application, je vais hop, fermer mon œil et tirer en même temps sur les cils avec elle va la bien, voilà, brosse. bien, bien poser la brosse à la lisière. La recourber et là elle va bien remonter vers le haut. Et Là, c'est vrai, ça lui a recourbé ses cils. je fais ça sur Donc, l'intégralité. comme on fait Et nous avec ça le donne croco qu'on ça du bloque, coup. sauf que elle reste pas bloquée, mais elle le travaille vers le haut. Donc là, je regarde la caméra pour qu'on voit bien et je regarde en dessous. Je sais pas si ça se voit bien là. Oui. Et du coup, là, ça donne ça. Merci. T'es bien triste que c'est magnifique. Faut dire merci, Donc. maman. Merci Aurélie. Faut dire merci maman.
Je vais tester maintenant. Ah oui, ta poudre. Ma poudre. Il fallait me voir ce matin. J'étais trop pressée de partir chercher mon colis. Depuis tant que je les attends, mais en rouge à lèvres. Et oui, dans le kit, ce que je voulais, c'était le kit dark pour la variété en phare. Mais en rouge, j'avais pas assez. Ouais, c'est ce que tu faisais avant les crocodiles. D'accord. Ouais, bah oui, je trouve ça intéressant. Aussi. Ah, moi j'aime bien. Après, moi j'ai naturellement des lentilles, quoi. C'est plus simple. Moi je souffle même un peu dessus. Elle a l'air foncée. Oui, elle a l'air bien foncée. Un peu quand même. Elle a l'air bien foncée. Vous me voyez bien? Non, j'étais trop loin. Ouais, hein, on voit bien, Lina? Oui, ça va. Ah ouais. Ah, elle est foncée. Ah là là, elle a fait n'importe quoi. Hein. Ah ouais. Non, du coup, il va falloir estomper tout ça. Mais la dernière fois aussi, je m'étais un peu... Ah ouais. Il n'y a pas une terracotta? Non, ça n'en a toujours pas. Si, là, je voulais tester celle-ci. Mais t'as pas de terracotta de l'huile? Bah c'est celle-ci. Mais non, mais une... Moins marron. Plus marron. Non, bah la prochaine. Okay. Moi je voulais un truc plus d'été, plus rose. J'aime bien les tons sombres moi-même en été. Non, ouais, elle est pas marron celle-ci. Bah ça se voit qu'elle est pas marron. Merlis. C'est. Il y a du rose. Je peux avoir. Et elle est bien aussi. T'es lente, maman, dans tout ce Mais attends, je dois la travailler, tu fais un caca. Oh, c'est incroyable ça! Par contre, je vais prendre mon baume à lèvres. C'est pas un onica, hein. C'est un baume à lèvres. Ah non, tu vas nous mettre. De 8 à 8. Mais il faut que j'hydrate mes lèvres avant! Voilà, un baume à lèvres bon marché. De type bon marché en fait. Ah ouais, tu mets. C'est un baume à lèvres de 4 grammes. Stick à lèvres hydratant. Avec le petit que j'ai mis tout à l'heure, j'ai fait tout mon visage. Mais après, voilà, moi, j'aime pas aussi quand c'est trop foncé. Et quand bien même maquillage du soir, franchement, au top, hein. Mais pourquoi tu mets du rouge sur ton menton? Pour le camoufler. Mais j'ai du double menton. J'ai pas 16 ans. Hein. J'ai pas ces problèmes. C'est pas un problème. J'ai envie de déclencher la multiple. Je sais que c'est le problème. Qu'est-ce que t'as fait là? Ben, on n'a plus de lumière. Voilà. Je vais la mélanger à la blusher, à celle-ci. C'est la numéro B6 et la terracotta, c'est le numéro MB24. Hop, j'en mets partout. Est-ce que je peux avoir cette poudre? Voilà, tu l'as maintenant, tu vois. J'aime trop. Ouais, mais sur le pinceau, attends, je vais pas aller loin là. Et là, je vais juste retracer un peu. Pareil, elle est très. Ah mais tu me gênes là en fait là. Tu fous quoi dans mon blush? Tu peux enlever là. T'es dans mon espace. Toi aussi, je te préviens. Tu es dans le mien. Et tu ne me gênes pas qu'un peu. Alors moi par contre j'en mets sur le nez. Je pense que tout le monde veut. Et pour estomper légèrement, il me faut le pinceau qu'elle a. Est-ce que ça fait, vous voyez peut-être pas bien comme ça, ça fait quand même un peu trop rose. Je vais vous montrer après pour donner un peu de lumière. Tu remontes vers le haut aussi après. Ouais, bah oui. Il faut bien aller à la lisière. Hein. Pour rehausser les pommettes. Regardez, c'est bien estompé, il faut pas oublier les oreilles. Tiens. Et ça a rehaussé les pommettes. Tiens, 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 tiens. Bah c'est bon, il reste plus que le rouge à lèvres. Ah bah. Je vais me faire des taches de rousseur, moi.
Bah vas-y. Mais non, mais parce que je vais abîmer ton phare. Pourquoi tu abîmerais mon phare? J'ai pas Peux piquer compris. avec genre un cure-dent par exemple. Ah non. Tu Ça, piques pas mon j'aime phare pas. avec un cure-dent. Je ne peux pas. Mais du coup, je peux Mais tu commencer peux avec ça? pas faire avec ce bras? Avec quoi? Oh, si. Je vais me faire des taches de rousseur. Elle veut se faire des taches de rousseur, on va voir ça. Hein. Je fais tout le temps Moi j'aime bien, hein, des tout ce qui est nouveau comme petites ça. Hein. Donc je redonne un coup, bien sûr, je repoudre mon nez. taches. Par contre, il est pas assez bien taillé, je Et là, préfère. hop. Ah ouais, moi mon nez, je poudre. Je poudre, c'est le premier qui brille. Mais j'avoue, avec ce fond de teint, ça tient. Ça tient, il tient bien mon maquillage. À moi là-bas, je suis très contente. Après, j'ai envie d'essayer la bébé crème parce que je suis pas non plus tout le temps fond de teint. Alors, pourquoi pas une bébé crème? Essayez. J'ai jamais essayé de bébé crème. Si, mais j'ai jamais été bien contente avec la bébé crème parce que bah, j'aime bien passer ma crème de jour, machin. Mais apparemment, elle est bien. Tout le monde passe sa crème de jour sans problème. Elle n'est pas grasse. Elle est. Je crois. Aurélie, tu l'as pas testée, toi, la bébé crème? Et mais qu'est-ce qui lui arrive à mon chat? Ah si, tu l'as testée, toi. Oui, c'est toi que j'ai vu avec. Les points, les taches de rousseur, elle n'arrête pas avec ça. Elle adore. Elle les fait, elle en fait aussi au henné. Ouais. C'est vrai qu'au henné, ça fait sympa, donc ça fait, c'est sympa au henné. Voilà, oui, c'est ça, j'ai estompé. Exactement, regarde. Super, j'aime bien. Mais c'est vrai que je prendrais bien aussi la marron. Elle est très rose. Hein. Pour ceux qui aiment le rose, elle est parfaite. Pour l'été, j'aime bien cette couleur. Elle est super. Je suis vraiment pas douée. Vraiment pas. J'y arrive. À force, j'y arrive. Ouais. Tu vois sur les bois? Ah oui. Fais voir, regarde-moi. Bon, du coup, je chauffe pas. Regarde-moi. Ah oui. Bah quoi? Ça fait discret. Oui, c'est ça que je Sympa. voulais. Je ressemble à une poupée maintenant. Bon, du coup, je chauffe pas. Je suis Vas-y. pressée Donc toi là. tu veux. Ah, bah vas-y, oula. Non, moi Ah! je l'ai mis, je l'ai porté toute la journée, je vais tester. Mais moi Alors j'ai oui, besoin des par deux contre. en fait, donc il faut Ah si, voilà. Donc, mettre avec le le pinceau. pinceau, je te le recommande, hein, surtout le rouge, parce que tu te loupes. Il Mais sèche vite, hein. je veux faire un ombré, donc j'ai mis du lave-l'eau pour pas qu'il sèche. J'ai besoin Ah oui. d'une onde. Ah bah dans ce cas, bah, l'effet mat, bien sûr, il n'aura pas son effet. Par contre, parce qu'elle a mis un lave-l'eau. Si, il fonctionne quand même au bout d'un moment, je crois. Ah bon? Ben, on verra. Ben, je vous dirai. Apparemment, ça fonctionne quand même au bout d'un moment. Mais si, j'en avais sorti un. Oui, ça, c'est les filles qui. Pour les réunions et tout. Pour les lèvres. Je sais même plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Mais j'en avais sorti un. Est-ce qu'il y a mon petit pinceau? Sur ma bouche. Mais t'en as un, toi? D'accord. Je vais en sortir un autre. M'a piqué le mien. Pourtant, je lui avais tout préparé avant. Hein. Des questions sur la société? N'hésitez pas. Donc, Onika, En fait, j'ai plus c'est l'habitude tout de me maquiller nouveau. avec mes doigts. C'est une large gamme de maquillage. Donc, pour le moment, on n'a que le maquillage. On a le maquillage, pardon. Non, non, on n'a pas que le maquillage. Qu'est-ce que je raconte? On a un peu de bien-être aussi, mais tout ça, c'est en projet. Le bien-être arrive, les parsums, on a Moi, plein de j'attends trucs qui juste. arrivent. Ah, ben t'attends, hein. Non, j'attends pas. Je vais venir t'envoler. En fait. Donc moi, j'aime bien tracer
au pinceau parce que en fait, Moi, j'aime pas du tout. je délimite d'abord, je trace d'abord mes lèvres et ensuite je travaille à l'intérieur. Moi, j'aime pas du tout. Ah, mais tu fais comme tu le sens. Ça a le don de m'agacer. Ça a le don de t'agacer. Je Ouais. t'agace là. Non, le pinceau. Ah. J'arrive pas à faire mes livres avec ça. C'est trop dur. Bah fais comme tu le sens. C'est toi, avant qu'on commence le live, tu m'as dit que... Non, mais j'aime pas du tout là. Rien, ça va pas. Est-ce que je peux recommencer? On a une deuxième chance. Bien sûr. S'il vous plaît. Non, mais. Elle me demande si on a une deuxième chance. Ben ouais, si, vas-y. On recommence. On recommence, hein. Parce que là. Là, ça va pas. Ça va pas. Je vais mettre du nude en fait. Ça aussi, ça m'a un peu agacée. Donc c'est le Nude Tulip, pareil. C'est pas celui que j'ai commandé. Ah non. Non, t'as pris le rose. Et le rose, c'est celui qu'elle a, Non, Aurélie, j'ai pris le qui est orange. le orange. Mais oui, un qui est sur les tons orangés aussi. Les tons orangés. Ouais. Donc, je vais enlever un petit peu mon fond de teint. C'est pas grave. Et il est génial. Alors peut-être que pour un maquillage nuit, ça le fait pas là. Mais j'avais envie de le tester. Bref, je recommence. Je peux vraiment pas utiliser le pinceau. Mais le pinceau de rouge à lèvres. Si, Et c'est toi, tu m'avais dit non. non, dans le sens où si ça avait été là, c'est nous qui les testons, les produits, c'est pas quelqu'un d'autre qui va. Imagine. Les gens, ils font des compliments C'était. trop gentils! Ah oui? Merci Aurélie. C'est Aurélie. Elle est gentille, Ouais, Aurélie. elle est Je sais pas qui adorable c'est, mais. Aurélie. Si, si, elle est adorable Aurélie. Du coup, je peux. Tiens. Non, mais j'en veux pas de ton pinceau! T'as pas compris que ça m'avait agacée? Gardez. J'aime bien. Alors ouais, pour le soir, non, ça va pas le faire, donc je vais mettre le carmine quand même. Sans transfert, hein. C'est génial. On n'a plus l'impression qu'on a. En fait, on n'a plus la sensation d'avoir un truc sur les lèvres. Alors, du coup, tu l'as Merci. mélangé, toi. Tu as fait Non, un. non, du coup, j'ai pas fait le mélange. Hein? T'as pas Non. fait le mélange. Non. Mais il est un peu plus foncé, le tulipe, là. Non, c'est juste ma peau, je sais pas. Ah ouais. Ah bah tiens, alors, je vais pas le démaquiller tout de suite pour montrer. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui reviennent, disent, oui, mais c'est pas comme tu le portais, ou c'est pas comme dans la photo. Oui, on n'a pas tous les mêmes couleurs de lèvres. Donc, on porte là le même, le Nude Tulip. Et c'est le numéro 52. Ça donne pas du tout la même teinte. Hein? Vous trouvez comment les filles montrent? Attends. Légèrement plus foncé sur Lina, je trouve. Non? C'est moi. C'est parce qu'elle a les lèvres plus pulpeuses. Attendez, je vais faire ça. Là. Mais du coup, moi, j'ai fini. Bon, toi, t'as fini. Moi, je vais faire le carmine. Ah non, non. C'est trop Mais clair moi, de pour toute le façon, soir, mais j'irai en j'avais envie soirée de. avec un truc nude. Parce qu'on se maquille pas de la même façon avec une jambe Voilà. fixe. Que pour une femme, je pense que là, il faut rehausser Je un ressens petit un peu. F. Donc, faisons les choses bien. On a dit qu'on présentait un maquillage soir. Je le refais. Il faudrait que je montre mon maquillage à la caméra. Alors, sachez, les filles, J'essaie de montrer que mon maquillage. Onika, c'est 40% de marge.
Et c'est 100 € de prime pour 500 points volume. Les primes commencent à 500 points volume, c'est-à-dire à peu près un volume de vente de 500 €. Et j'ai envie de dire, je connais pas beaucoup non plus de MLM qui proposent des primes aux distributeurs. Hein. Donc réfléchissez bien. Au distributeur. Oui. Les primes, elles sont données habituellement par rapport au volume de l'équipe. Donc, il faut avoir recruté du monde sous nous pour pouvoir prétendre à une prime. Que là, la société permet des primes aux filles qui veulent que vendre. Par exemple, toi, tu veux juste vendre des produits. Tu vois? Oui. Eh bien, tu peux faire des primes. Si tu arrives à un volume de vente de 500 €. Et avec ces produits-là, c'est. Voilà. Franchement, on démarre. On est arrivé à liquider le stock, quoi. Les patrons au démarrage, ils n'ont rien compris. Ils s'attendaient pas du tout, du tout, du tout. On a fait le buzz. Voilà, tout simplement. Donc, le calme. Alors, là. Pas facile à mettre, je trouve. Parce qu'il faut pas se tromper. Tu pouvais retracer tes lèvres en avant. Ben c'est ça, je vais retracer mes lèvres. Non, mais t'aurais pu les retracer avec un crayon, c'est ce que je disais. Mon crayon, là, il n'est pas foncé. Faudrait Et que genre, je vais le fait essayer. d'avoir un crayon pour ça empêche la Ouais, bavure. c'est ça. Je l'ai mis. Pour le moment, il est là. Il est là. Oui. J'ai trop envie de tester un gloss, je les avais oubliés. Oh, j'ai trop envie de tester lui. J'ai testé par-dessus Quand même le. avec un crayon un peu plus foncé, ça aurait été mieux, mais bon, c'est toujours ça parce que c'est vrai qu'il sèche vite, Bah, du il coup. est bien rouge. Alors, si on se trompe, on est mal. Donc, je préfère mettre un coup de tracé. Je vais tester ce gloss par-dessus le rouge à lèvres Pour mousse. ceux qui savent pas comment tracer les lèvres, donc moi voilà, je fais d'abord là. Sont trop bons. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, par contre, ça sent tellement bon. Ouais, ils sentent bon. Ils sentent bon, ouais. C'est un recoupeur. Hein? Lequel? Je vais le tester, Ah, genre ils de sentent l'odeur. bon, ceux-là, les dramatiques. Ils sentent très bon. Je Ouais. vous les testerai plutôt sur un maquillage jour, ceux-là. Ils sont super. Moi, je fais des petits tests, hein. Ah, vas-y, mais montre hein, en même temps. Ouais. Je me démaquille comme un pied dans le même arrière. Et si tu pouvais éviter de me pousser pendant que je trace mes lèvres, ça m'arrangerait. D'accord? T'es très pas belle là, avec le rouge à lèvres clair. Je tenais à te le dire. Donc là, je teste un premier. Voilà, je suis trop pas belle comme ça, bah ouais. Mais je vais mettre mon rouge. Allez, c'est parti pour le rouge. J'en ai mis un petit peu déjà. Partagez un peu les filles, partagez. Ça diminue. Ouais. Bon. Je vais baisser la fenêtre du. Ah, les petits sont arrivés. Allez, concentration. Il est en train de piquer mes lèvres. Il faut savoir que le dramatique pique un peu. C'est toi. Je pense. Moi, ça me pique. C'est toi qui as les lèvres très sensibles. Ouais. Bah, peut-être. Donc d'abord, ça fait comme un petit cœur, regarde.
Non, regarde là. Dans l'écran, l'écran. Ah, il n'est pas content de rentrer. Parole, John. Je teste toutes tes rouges à lèvres. Voilà. Et hop. Oh là là, c'est Spider. Je sais pas si vous voyez bien. Non, j'ai testé celui-là. Alors, celui que j'avais testé avant, du coup, c'était le 202 Golden Fee. Pêche. Pêche. Je suis arrivée. Et là, j'ai testé le 204 Candy Pink. Le Candy Pink, il est plus transparent. C'est un peu plus que des paillettes. Voilà. J'ai failli faire une bêtise. J'aime bien le Candy Pink. Oh, maman. Oh, la texture, elle est incroyable. Vraiment? Ça sent bon et la texture, elle est Oui, trop les bien. dramatiques, ouais. Je sais pas si tu les as, si vous les avez testés, les filles, Merlise, Aurélie. Je remets mes lunettes parce que je vois rien. Les dramatiques, ouais, ils sentent vachement bon. Je suis sûre qu'ils sont bons. Après, moi, j'ai testé avant de mettre le carmine tout à l'heure, le pêche, j'ai adoré. Je vous ferai un maquillage avec. Mais le carmine, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je peux voir. Ah mais attends, tu vas me faire Non, je faire peux une voir. bêtise. Je peux voir. Laisse-moi voir! Me pousse pas le bras. Merlise, elle a dit qu'elle n'avait pas encore de dramatique. Ah oui, tu l'as pas encore pris? Ben moi je vous dis, vous pouvez les tester les filles. Ils sont top. Après, il y a les brillants. Si, j'ai vu. Je sais plus qui c'est que j'ai vu qu'il l'a testé. Il est pas mal le rose. Elle n'a pas reçu encore son pack lèvres, Merlise. Et oui, ça c'était ma commande du 29, hein. Tu l'as faite début juin, je crois. Ça devrait pas tarder. Ça devrait arriver cette semaine, normalement, toi, Merlise. Avec mes lunettes, on dirait que je suis pas maquillée. Je vais remettre un petit coup. Et donc après, on fait un démaquillage. Vas-y, après, oui, attends. Oh, démaquille pas tout de suite, attends. Et non, mais c'était pour savoir est-ce qu'il fallait tester en caméra. Oui, pourquoi pas? Pas moi, toi. Un an, toi? Ah non, tu travailles pas, je vais te sortir avec papa. Bon, j'ai ton petit coup à rentrer avec lui. Bon, après, on discute. Ouais. Après, on discute. Hors caméra, on discutera. On va pas faire comme tu sais qui devant les caméras. Attention, devant le live, il faut pas tout sortir, quoi. Elle a dit oui, je pense vendredi pour son pack. Ah ouais, je pense, ouais. Et voilà, j'ai fait une petite pointe. Bon, c'est très léger, ça se voit pas. Mais voilà. Je vais l'enlever tout de suite. Regardez. Mais maman, on voit que ta bouche. Ben oui, c'est ce que je veux, qu'elle voie ma bouche. Mais monte toute ta tête, on verra ta bouche aussi. C'est vrai qu'il est beau. Ouais, je voudrais enlever un peu l'excès. L'enlever ton. La prise de sopalin. Alors ça, c'était ridicule. M'en fous.
1. Centre austère. Voilà. Un maquillage soir. Onika, 3 fards. Vert. Dans les tons verts pour moi. Merci, Merlise. Dans les tons roses. Oui, Merlise, c'est Merlise. Elle a mis ça. Ah oui, c'est Merlise. Ah. Montre-toi ton maquillage. Alors, elle, c'est plutôt, voilà, ton rose et marron. Mais comment je dois pencher ma tête? Comment je dois pencher ma tête? Non, t'inquiète, on te voit bien. Ah ouais. Hein, vous voyez bien, là? On voit bien son petit dégradé. J'avais mis le rouge à la vignoule de base, mais j'ai testé les autres après. Voilà, voilà. Merci d'avoir été là, les filles. C'est super gentil. Donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à passer en MP, sinon bah, je retournerai voir le chat. N'hésitez pas à me laisser un message. Le mieux c'est de m'envoyer une invitation avant de laisser un message pour voilà, vous me demandez, vous voulez le catalogue, vous voulez des renseignements sur la société. Ce que vous voulez, passer en MP, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. En tous les cas, voilà, j'étais ravie, moi, de vous présenter mon rouge carmine et mon vert. Je vais vous le remontrer un petit coup, il est juste top. Oui, c'est cassé un peu avec le transport, c'est pas grave. Ouais. Non, bah c'est bon, déjà il est dans le creux, c'est moi qui n'arrive pas à voir. Voilà, super, j'y suis arrivée. Je vais y arriver, hein. J'arrive pas en fait à bien me positionner face à la caméra comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. Ça viendra. Bon, eh ben, je vous dis très bonne soirée. Merci beaucoup les filles d'avoir été là. Merci pour vos petits commentaires. Gros bisous et à très très vite.